Alors, maintenant on va parler du MVC. MVC, c'est tout simplement votre produit que vous avez, que vous pouvez mettre en ligne et vendre alors qu'il n'est pas encore créé. Pourquoi? Ce qu'on appelle une méthode agile. Il s'agit en fait de tout simplement déterminer, réussir à déterminer à quel moment votre produit est vendable. Parce que il n'y a absolument aucun intérêt de construire un produit pendant 6 mois qui ensuite, avec des heures et des dizaines d'heures de vidéos, qui en fait au final ne pourra pas se vendre. Parce que si par exemple votre marché il n'est pas ouvert à acheter ce genre de produit-là, vous avez absolument aucune chance de rentabiliser le temps que vous avez passé à votre formation. En gros, c'est un produit qui va vous permettre de tester votre marché et de savoir. En fait, tout simplement pour vous faire rapidement un débrief, là c'est pas le but de tout détailler en détail bien évidemment. Là l'idée c'est un peu de vous donner une idée. Imaginons vous avez prévu 50 heures de vidéo, 50 heures de coaching pour votre programme à 3000 euros. D'accord? Il n'y a absolument aucun intérêt de tourner ces 50 vidéos avant de le vendre. Tout simplement pourquoi? Parce que nous, on a une règle de base, c'est-à-dire qu'on ne vend, on ne construit jamais un programme, on ne construit jamais un programme en entier si on n'a pas déjà eu un client haut de gamme sur ce programme. Donc, ce qui veut dire, alors pour les programmes qui avec beaucoup beaucoup de contenu, hein, là on parle des dizaines d'heures de contenu avec des stratégies précises, prouvées, qui fonctionnent déjà. Donc, c'est pour ça que ça nous permet de tester le marché, parce qu'on se dit que si, sans le produit, j'ai réussi à vendre une prestation, un programme de formation ou un programme d'accompagnement à 5000 euros ou à 4-5000 euros, ça veut dire que tout simplement, c'est certain à 200% que je vais pouvoir en avoir d'autres. Une fois qu'il sera fait, une fois qu'il y aura les retours clients, une fois que tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de tester votre produit en amont et c'est totalement possible. Seulement, il faut pouvoir faire il va falloir créer un produit quand même à la base, donc c'est ce qu'on appelle le produit minimum viable pour pouvoir quand même proposer quelque chose à vos clients le moment où ils achètent pendant votre période de vente et de test. Le produit minimum viable, il y a toute une stratégie étape par étape pour y accéder et pour pouvoir mettre en place le bon produit en amont. Donc, il est important de le comprendre. Une méthode agile, pas la peine de produire tout d'un coup. Donc, vous pouvez par exemple préparer la première semaine et ensuite, une fois que vous avez votre client, surtout commencer par les stratégies agiles, c'est-à-dire mettre en place les choses importantes, présentation de votre produit, vente en ligne de votre produit, donc page de vente, page de paiement, stratégie marketing et acquisition de votre premier client. Donc déjà, il va falloir se focaliser là-dessus. Alors bien évidemment, la création du contenu, c'est-à-dire le détail de ce que va proposer votre programme pour proposer une valeur perçue importante et pour voir voilà un petit peu vous démarquer. Donc, j'espère que ça a été clair. Pas la peine de tout faire avant de vendre. Il vaut mieux présenter une partie d'un produit, enfin créer une partie d'un produit, créer toute la stratégie marketing en amont, vendre une fois en haut de gamme. Alors bien évidemment, il y a des stratégies, comment on s'y adresse en fonction de votre activité, etc. Et ouais, comment on trouve notre premier client sans investir 10 000 euros de publicité. Donc vous pouvez même trouver votre premier client sans même dépenser un centime d'argent juste en faisant de la prospection, et ça on pourra voir ensemble. Et puis ensuite, bien évidemment, faire votre première vente avant création de tout contenu important. Donc j'espère que c'était clair. Perdez pas des milliers d'heures dans la création de votre produit si vous ne savez pas s'il est vendable. Et puis comme ça, vous gagnerez un temps immense. N'hésitez pas à vous abonner n'importe où autour de cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Pour parler des méthodes agiles, du produit minimum viable, posez vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis pour tout ce qui est stratégie,
n'hésitez pas à regarder un petit peu notre programme qui est entièrement complet et qui comprend bien évidemment ce module-là. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.